Bonjour à tous. La petite histoire d'aujourd'hui s'intitule « La petite citrouille ». Cette histoire, écrite et réalisée par le Monde des Enfants, vous est proposée aujourd'hui. Nous sommes sur le point de commencer cette histoire, mais avant de poursuivre, je t'inviterai à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Merci par avance à toi. Il était une fois, dans un petit village, une gentille petite fille nommée Lily. Lily aimait beaucoup les couleurs joyeuses et les journées ensoleillées. Un jour, elle se promena dans la forêt avec ses amis et découvrit une grande citrouille orange assise sous un grand arbre. La citrouille était toute ronde et souriante, comme si elle disait « Coucou, je suis une citrouille amicale. » Lily se dit « Oh, cette citrouille est vraiment spéciale. Je vais la ramener à la maison pour en faire un joli visage souriant pour Halloween. » Elle demanda à ses amis de l'aider à porter la citrouille et ensemble, ils l'emportèrent à la maison. Lily prit son couteau et tailla un visage avec un grand sourire dans la citrouille. Elle était si heureuse en la faisant briller de l'intérieur avec une petite bougie. La citrouille semblait encore plus heureuse avec son visage lumineux. Lily décida de donner un nom à sa nouvelle amie. Elle l'appela Sourire. Tu es la citrouille la plus amicale, Sourire, s'exclama Lily. Elle était si contente d'avoir trouvé une citrouille magique. Après avoir donné un nom à sa nouvelle amie, Lily, avec un grand sourire, regarda la citrouille appelée Sourire briller dans l'obscurité. C'était tellement joli! Les étincelles dansaient autour d'elle. Lily riait de bon cœur. Elle réalisa qu'elle avait un nouvel ami qui pouvait éclairer ses soirées d'Halloween. Tu es mon ami magique, Sourire! Dit Lily en tapotant doucement la citrouille. Lily se sentait tellement heureuse d'avoir cette nouvelle amie lumineuse dans sa vie. Elle se dit qu'elle pourrait montrer Sourire à ses amis et que cela les ferait tous sourire aussi. Un soir d'Halloween, alors que les étoiles scintillaient dans le ciel et que la lune était bien ronde, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Minuit sonna à l'horloge de Lily et soudain, Sourire la citrouille s'anima. Elle clignota de ses yeux lumineux et dit d'une voix douce « Je suis Sourire, la citrouille amicale. Et je peux exaucer un vœu pour toi, Lily. Quel est ton souhait aujourd'hui, ma chère amie ?» Lily était tellement surprise et heureuse. Elle réfléchit pendant un moment, puis sourit. Je souhaite avoir plein d'amis autour de moi pour célébrer Halloween. Sourire fit un geste magique et tout à coup, des amis costumés apparurent comme par magie. Il y avait des sorcières, des pirates, des fantômes et même un petit chat noir avec une couronne en papier. Lily était aux anges. Elle dansa et joua avec ses nouveaux amis.
Ils étaient tous ravis de célébrer Halloween avec elle. Sourire regarda la fête avec un sourire encore plus large. La nuit était devenue encore plus magique grâce à ce vœu. C'était une nuit d'Halloween inoubliable, pleine de rire, de jeu et d'amitié. Et tout cela grâce à la citrouille amicale Sourire. Lily et ses nouveaux amis costumés s'amusèrent beaucoup cette nuit-là. Ils jouèrent à des jeux amusants, comme la chasse aux bonbons. Chacun portait un panier et courait à la recherche de délicieux bonbons et chocolats cachés dans le jardin. Puis, ils sautèrent dans une grande pile de feuilles mortes en riant à gorge déployée. Les feuilles volaient dans tous les sens et c'était vraiment amusant. Ils se réunirent en cercle pour se raconter des histoires effrayantes. Un ami, déguisé en fantôme, commença à raconter une histoire sur un chat noir magique. Tout le monde écoutait attentivement, et même Sourire, la citrouille, écoutait avec son grand sourire. Lily était si heureuse de partager cette soirée spéciale avec ses amis. Elle se sentait reconnaissante envers Sourire pour avoir exaucé son vœu. La nuit d'Halloween était devenue la plus amusante et la plus mémorable de tous. La lune brillait dans le ciel, les étoiles scintillaient, et la fête d'Halloween continuait jusqu'à tard dans la nuit. Lily savait que c'était une nuit qu'elle n'oublierait jamais, une nuit d'amitié et de magie. Grâce à la citrouille amicale, Sourire. Après avoir joué et ri, Lily et ses amis retournèrent à la maison. Lily décida de préparer un goûter spécial pour tous. Sourire, la citrouille amicale, était là pour les accompagner. Ils mangèrent des biscuits en forme de citrouille, avec du glaçage orange et des pépites de chocolat pour les yeux et le nez. Les biscuits étaient délicieux et faisaient sourire tout le monde. Ensuite, ils dégustèrent des pommes au caramel, trempant les pommes dans un caramel chaud et collant. Les pommes étaient si croquantes et sucrées, et le caramel était si délicieux, qu'ils en avaient les doigts tout collants. Ils burent également du jus de pomme bien frais, servi dans des gobelets en papier orange. Le jus était doux et rafraîchissant. Il avait le goût des pommes tout juste cueillies. Tout en mangeant et en buvant, Lily et ses amis partagèrent des histoires d'Halloween amusantes et échangèrent des bonbons. Ils riaient et bavardaient joyeusement, se sentant comme une grande famille. La soirée était devenue encore plus spéciale grâce au goûter délicieux et à la joyeuse compagnie. Lily savait qu'elle se souviendrait toujours de cette fête d'Halloween magique avec ses amis et la citrouille amicale Sourire. Après le délicieux goûter, la nuit d'Halloween touchait à sa fin. Les amis de Lily commencèrent à rentrer chez eux et Sourire, la citrouille amicale, commença doucement à s'éteindre. Lily la remercia chaleureusement. Merci Sourire pour avoir fait de cette nuit la plus magique de toutes les nuits d'Halloween. Sourire répondit d'une voix douce. C'était un plaisir, Lily. Je serai toujours là pour toi à chaque Halloween. Les amis de Lily lui dirent au revoir en souriant
et en laissant des souvenirs joyeux. Lily savait que cette nuit était spéciale et elle avait maintenant un souvenir magique. Sa belle amitié avec sourire. Elle éteignit la bougie dans la citrouille et décida de la garder comme souvenir. Chaque année, à Halloween, elle ressortait sourire et pensait à cette nuit incroyable. Ainsi, les enfants, se termine cette histoire d'Halloween avec notre chère Lily, ses amis et la citrouille amicale sourire. J'espère que vous chérirez toujours cette histoire. Je vous dis à bientôt. Bonne nuit.